d'être venu à la librairie Imola pour nous parler donc de votre dernier livre qui s'appelle Le cœur blanc. Alors, en lisant ce livre, moi j'ai eu l'impression que vous aviez sculpté ce livre au couteau. J'ai eu une impression assez particulière de matière. J'imagine votre livre comme un morceau de bois que vous auriez taillé au couteau. Je trouve que les premiers chapitres ont ce côté très brut de matière. Et puis, petit à petit, vous dessinez quelque chose qui est à la fois très poétique et en même temps tout à fait sensoriel et d'une matière brute. Ça vous effraie complètement quand je vous parle de ce ressenti ? Oh, pas du tout. Pas du tout. J'ai travaillé par... J'ai accumulé les images, j'ai accumulé des scènes et j'en avais une énorme, un gros paquet. Et après, j'ai essayé d'en tirer un fil, enfin de mettre les choses en ordre. D'accord, c'est-à-dire que vous avez finalement dessiné l'histoire après coup, d'après des morceaux. Je savais quand même que... Votre trame. Oui, je savais qu'il allait y avoir une montée, une explosion jusqu'au final. Mais il fallait d'abord rassembler toutes ces choses, et après, me dire qu'est-ce que je... Et après, les assembler. Alors, dans votre livre, on suit plusieurs personnages qui sont des saisonniers, que vous appelez, ou qui se nomment eux-mêmes quand ils parlent, quand ils réfléchissent à leur propre situation. Vous les faites se nommer les invisibles. Oui, les fruits du rebut. Oui, aussi. Oui. Vous les imaginez. Alors, en fait, ils s'imaginent même quand ils ramassent les abricots. À un moment donné, un de vos personnages dit, mais finalement, on serait les abricots dont personne ne veut. Oui, les fruits d'urbu, les fruits lorsqu'on calibre ce qu'on envoie pour la pulpe des usines. Mais en même temps, on en a besoin. On en a besoin. Mais je n'ai pas voulu écrire un livre vraiment politique. J'ai juste voulu parler de cet univers. J'ai voulu parler de peut-être ce malentendu parfois, parce qu'il peut être parfois il y a un malentendu. Quel malentendu ? Malentendu entre éleveurs. Pas éleveurs, non, ce sont pas des bergers, entre agriculteurs et cette faune, parce que c'est quand même une faune. Non, les premiers agriculteurs sont infects. Ça, ce ne sont pas les mêmes, ils sont vraiment immondes. Les deuxièmes, il y a un certain malentendu, il y a une certaine dérive dans cette... Ces jeunes, ce peuple... ne sait plus vraiment où il va, n'a plus de repères, n'a plus de racines. Ils cherchent leurs racines, ils n'ont plus de vrais combats. C'est les saisonniers en question dont vous parlez. Oui, oui. Mais oui, comme je dis, je ne voulais pas... Je ne voulais pas parler du problème de « ont-ils leur place ?» Ont-ils leur place dans cette société où, parce qu'eux-mêmes, un grand nombre d'eux l'ont déjà, n'en veulent pas de cette place. Ils se sont mis hors jeu et ils veulent rester hors jeu. Donc c'était plus, j'ai pas voulu entrer dans les idées, c'était vraiment du ressenti, ces vies éparses et qui tout d'un coup, la tension va monter jusqu'à l'explosion. Parce que justement, il n'y a pas de garde-fou. Quand il n'y a pas de garde-fou, les choses d'autant plus peuvent arriver de manière... incontrôlée. On voit bien, en fait, qu'ils inventent ou qu'ils réinventent leur vie tous les jours. Oui, oui. Vivent dans l'immédiat. Donc, voilà. Et alors, on pourrait finalement résumer leur terrain de jeu avec deux pôles... important, les vergers dans lesquels ils travaillent et les bars. On pourrait dire ça ? Oui. Il y a le travail, oui. Ce travail des saisons qui donne un sentiment de liberté quand même, parce qu'il faut être, itinérant. Donc on a l'impression de n'être accroché à rien, de ne pas avoir de...
Les bars, parce que lorsque c'est l'hiver et lorsqu'on a froid et lorsque on est dans des cabanons sans eau ni électricité, mais il faut bien les réchauffer quelque part. Il faut retrouver la famille. Il faut bien avoir une famille. Et puis les bars aussi après, parce que ça devient le quotidien, c'est l'habitude, et puis c'est toujours cet extrême, passer d'un extrême à l'autre, l'extrême de le travail bien épuisant, et après se donner à fond dans se lâcher dans l'alcool ou autre chose. Il y a un moment pour... Quelle est l'expression ? Il y a un moment pour... J'ai oublié l'expression. Vous parlez de liberté, on sent aussi la force. Il est aussi beaucoup question de force. Il faut avoir une certaine résistance pour être saisonnier, physique. C'est comme tous les travaux physiques. Hein. Tous les travaux physiques demandent sont durs et demandent de grands efforts. Le travail de la vigne, le travail de tous les travaux demandent de la patience, demandent de la... Mais il y a une beauté aussi dans ce... On peut aimer ce travail, moi je l'ai aimé. J'ai été saisonnière et j'ai adoré cette vie pendant des années. J'avais justement le sentiment d'être libre. J'avais parfois de la colère de me dire nous sommes les abricots d'Urbu, nous sommes rien, nous ne comptons pas et nous sommes de la piétaille. Mais il y avait en contrepartie, oui, ce sentiment de liberté qui peut-être était illusoire, mais qui était tellement enivrant. Quand vous avez été saisonnière, vous avez la sensation d'avoir récolté des images qu'aujourd'hui vous racontez ? Oui. Pour le grand marin, toute ma vie, j'ai tenu des cahiers. Et donc, c'était très, très intéressant pour retrouver donc les couleurs, les sensations de l'été, la brûlure, le froid aussi l'hiver, la tension parfois, parce que parfois la tension montait, on est dans des états d'exaspération grandissants et de fatigue. Et ces cahiers sont en fait pour moi des merveilleux, parce que j'y puise, c'est un matériau. Mais c'est grâce justement à cette... D'abord j'ai vécu, et maintenant je peux en faire quelque chose, c'est extraordinaire. Quand vous reprenez vos cahiers, que vous relisez vos notes... Vous avez l'acuité du souvenir, comme si vous arriviez à vous replonger immédiatement dans cette nature. Oui, parce que ces cahiers, je n'écrivais pas de manière linéaire, en disant aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je racontais vraiment les choses qui arrivaient, les choses puissantes, le ressenti, le physique, la colère, le bonheur. Et donc, c'est les images. Et donc, je retrouve ça de manière immédiate dans mes cahiers. Vous avez vraiment un art de la description de chaque détail de la nature par saison, température, odeur. C'est vraiment une géographie. Ce livre, c'est un voyage, une plongée en pleine nature. Vous en avez conscience ? C'est vital pour vous ? D'écrire... Cette plongée dans la nature permanente. Oui, j'ai... De par mon travail, j'ai toujours été au contact de la nature, et en fait, c'est ce que je recherchais. Je n'aime pas l'idée. Les idées nous tuent, les idées nous dévorent, les idées nous encombrent la tête. Je préfère... qu'il y ait d'abord le ressenti, qu'il y ait d'abord le monde réel, le monde physique, et après les idées viennent. Mais les idées existent, elles sont de toute façon toujours là. Donc, mais je préfère, oui, le ressenti d'abord, qui en lui-même a une existence, je trouve, beaucoup plus forte et beaucoup plus vraie que tout ce qui est cérébral. Vous avez décidé de nous faire suivre deux personnages féminins. Pourquoi ? Alors, tout au début, parce que ce livre,
comme le grand marin, il y a très longtemps que je voulais l'écrire. Lorsque je faisais les saisons, je me disais, il faudra que j'écrive un livre sur un été où tout s'enflammerait enfin. Pas enfin, mais tout s'enflammerait. À la fin, tout exploserait parce que nous sommes souvent à la limite des choses. Et tout pourrait arriver, en fait. Et donc, j'avais quelques bribes d'écrits, Et il y avait un seul personnage qui n'était encore personne. Et lorsque je me suis vraiment décidée à faire ce livre, je me suis dit, il faut une autre femme qui soit un peu comme un... Comment on dit, un balancier, le contrebalancier, quelqu'un qui soit un peu le contraire, et en même temps elle se complète toutes deux. Il y avait aussi, je voulais éviter, échapper enfin à cette histoire de autobiographie. Je me dis, si je parle que d'une seule personne, on va encore me dire que c'est moi. Donc si j'en mets deux, c'est formidable. Je suis sortie d'affaire. Et puis deux femmes très différentes, l'une qui vient du nord et l'autre qui vient du sud, je me dis ça peut être en même temps toutes les femmes, ça peut représenter toutes les femmes du monde, et puis c'était intéressant de faire cette rencontre, de faire cette espèce de cette approche et cette ayant créé Rosalind, donc qui a un passé, son histoire, son hiver commence bien avant, peut-être 10 ans plus tard, plus 10 ans plus tôt, c'était donner aussi du relief à l'histoire, donner un autre, une autre profondeur à l'histoire. Il y a une autre vie, là, un passé, d'autres saisonniers, ces premiers saisonniers qui, eux, sont encore, se tiennent encore, savent se tenir droit, les Marocains qui sont sans papier. Donc oui, ça donnait du corps à l'histoire. Alors vous dites, il y en a une qui vient du nord et une qui vient du sud. Il y a une géographie incroyable à travers tous vos personnages qui sont en fuite, en quête, en exil. En tout cas, est-ce que tous ces personnages sont finalement en transit d'une façon ou d'une autre, entre deux quelque chose? Oui, en fait, ils sont en transit. Et écrivant le livre, donc, est venu se greffer tous ces gens, les exodes de tous les peuples. Et je me dis, tous rejoints, en fait, depuis toujours. Donc, en ce moment, on parle beaucoup des migrations, de ces grandes migrations-là, terribles. Mais je vis c'est depuis comme ça depuis le début des temps. Donc mon histoire donc se passe dans les années entre les années 80, 86 et peut-être 96. Mais il y avait déjà certains de mes personnages sont déjà réfugiés ou immigrés économiques comme Césario le Cap-Verdien. Et c'est l'histoire de toujours. Ces gens qui n'ont pas de racines, mais ces gens qui c'est leur histoire. Oui, et c'est, je voulais dire que ces migrations, c'est ça aussi parfois qui c'est ça qui les a sauvés parfois, qui les a tués aussi parfois, leur dérive et leur naufrage parfois aussi. Mais voilà, j'écrivais ce livre et venait donc se greffer des problèmes actuels. Et puis cette grosse question toujours de la mémoire, nos origines, et où sont vraiment nos... Que fait-on de notre mémoire? Notre mémoire aussi est toujours mouvante et toujours... D'où venons-nous et... Vos personnages se racontent assez peu. Certains arrivent à se dévoiler un peu, mais c'est plus synonyme de souffrance pour eux d'évoquer... L'endroit d'où ils viennent et peut-être la raison aussi qui fait qu'ils sont en itinérance. Oui. Rosaline, je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il a dû lui arriver quelque chose de grave ou quelque chose qui l'a tourmenté, mais je ne sais pas. Mais vous ne savez pas. J'ai rencontré beaucoup de gens lorsque j'étais saisonnière et lorsque je voyageais, beaucoup de gens qui venaient l'on ne sait d'où, qui allaient quelque part. Et qui avait un passé, je les ai connus dans l'immédiat,
Mais le passé, qui connaît vraiment le passé, le passé de celui qu'on rencontre comme ça? Et c'est ça qui était important aussi, c'était de garder à certains ce mystère. Rosaline garde ce mystère. D'où vient-elle? Peu importe. Mais elle porte cette espèce de des choses qu'il a poursuivent et qui la hantent peut-être. Comme Mounia, le passé de ses parents, la tragédie des problèmes archis. Acacio, le passé de son père, enfin le combat de son père qu'il n'a pas su mener, qu'il regrette sans doute de n'avoir pas, pour lequel il regrette de n'avoir sans doute pas combattu, et alors qui est sans combat et qui utilise la révolution des œillets roses pour se dire libertaire, mais c'est fini depuis longtemps, et puis ces œillets roses sont fanés depuis longtemps. Donc cette espèce de vide, cette espèce, ils sont tous pleins de vide, à part peut-être Mounia qui est rempli de soleil là, qui se laisse dévorer par le soleil et qui n'est jamais assez dévoré par le soleil et la lumière. Mais oui, ils sont tous habités par ce grand vide. Peut-être pas Césario, parce que Césario est un sage. Mais il y a peu de sages dans l'histoire. Vous abordez la mémoire aussi avec cette densité de ce qu'on choisit de retenir ou de la façon dont on choisit de garder la mémoire. C'est-à-dire qu'on voit bien à travers chacun leur histoire. Ils décident de présenter leur histoire en gommant volontairement certains aspects. Parfois, on sent qu'ils gomment certains aspects sans s'en rendre compte. Mais en tout cas, on voit bien que la mémoire est un choix. Oui. Parfois, la mémoire leur revient aussi. Hein. Lorsque les couvages qu'ils ont pu faire... La collection de cartes postales qui a été volée pour acheter de la dope, ou des mauvais souvenirs qui reviennent et qui reviennent comme ça, qui viennent vous hanter un petit peu la nuit en se disant « j'ai été une ordure quand même ». Et puis... Ils ont très envie de faire mieux, hein, tous. Oui. Alors, vous disiez tout à l'heure que j'ai écrit, donc j'ai... C'est l'histoire surtout de ces deux femmes, mais je pense que c'est aussi l'histoire de ces hommes aussi. Au début, je voulais appeler le livre « Les abricots du rebut », puis après j'ai compris que le livre était autre chose, ça ne convenait plus. Mais quand on l'a appelé « Le cœur blanc », je pense qu'on a fait le focus sur Rosalinde, alors que je pense que Rosalinde était juste là, passée dans l'histoire, elle cristallise tout. Elle va tout absorber, tout se cristalliser, parce qu'elle est, elle a ce côté un peu de bête. Et puis elle attise le désir des hommes, c'est vrai, par ce côté un peu de petit gibier. Mais elle était juste là de passage, oui, pour cristalliser et pour déclencher tout. Et c'est étrange comme l'histoire change au fur et à mesure qu'on l'écrit et dans le regard de chacun. Chacun voit les... Mais je voulais vraiment parler aussi de la triste histoire d'Acacio, un peu celle de Césario, l'histoire de... Peut-être même du... Non, pas du gitan. Enfin, peut-être même du berger. Tous ces gens un peu... Qui pour finir font n'importe quoi. Qui se laissent dépasser par certains leur amour, leur désir, et puis qui sont un peu brutes, ils sont comme des petites bêtes là qui finissent par se taper dessus, puis ça peut finir très mal. Est-ce que le corps est aussi un paysage pour vous? Oh oui, le corps c'est. Il est très très important dans le livre, c'est même la base de tout. J'ai eu peur de choquer parfois, je me dis ça va choquer pas mal de gens. Et puis ce côté un peu, ce côté physique de toutes choses dont je parle, les odeurs, et puis ce côté un peu brutal aussi. Ah, pas avant là, évidemment à la fin c'est plus que brutal, c'est dégoûtant. Mais... leur brutalité entre eux, lorsqu'ils essayent de s'aimer, que ce soit Acacio et Rosalinde. Et je me dis, ça va choquer beaucoup de gens, mais je dis, c'est très très important, ce corps-là qui fait ce qu'il peut. Et ce sont des petites bêtes, on est des petites bêtes au fond, quand ça nous revient. À la base, on est ça.
De par mes travaux, j'ai souvent été dans ces milieux où on se retrouvait vraiment un peu dans des milieux très, très, un peu primaires. Comme lorsque je pêchais, on pêchait pendant des jours et des jours, on était très fatigués. Les choses qui comptaient, c'était quand allons-nous manger quelque chose de chaud, quand allons-nous pouvoir dormir, les choses primaires, les choses vraiment vitales, quand est-ce qu'on n'aura plus froid. Et c'est pareil, c'est toujours ce corps-là qui rappelle. Et je trouve que c'est un côté assez énivrant aussi de se laisser porter, enfin de sentir d'abord cette nécessité physique, de parfois même de survie du corps. Il est peu question de fraternité, il est beaucoup question d'égalité. Égalité, oui, pour les enfants. Non, dans votre livre, entre vos personnages. Oui, je veux dire, pour les enfants. Oui, égalité. Il est question, en fait, les rapports entre vos personnages sont souvent très ambigus. Oui. Et c'est vrai, finalement, quand vous dites pour les enfants, on pourrait imaginer des frères et sœurs qui viendraient tous d'une portée animale. Oui, oui. Parce que, comme vous le dites, vous parlez de petits animaux. Effectivement, ces personnages ont quelque chose d'à la fois très essentiel et animal, instinctif. En même temps, quand même, ce qui les différencie vraiment des animaux, c'est ce rapport à l'autre, ce questionnement permanent du rapport à l'autre. Oui, oui. Et cette tête, en fait, ils sont, c'est très très physique. On parle beaucoup de leur corps, mais ils sont hantés par leur, ils sont habités par leur, par le passé, par la mémoire, par cette quête d'autres choses. Ils ont faim d'autres choses, ils ont soif d'autres choses, ils ont très très soif justement. Et ils ont tellement soif que. Ils ont soif de liberté, ils ont soif d'amour, ils ont soif de désir, ils ont soif de... Et pour finir, comme je disais une fois, alors la première des choses qu'on trouve, eh ben, c'est la première des soifs qu'ils peuvent assouvir, c'est la soif, la bière. Mais ils meurent tous de soif, en fait. Et à la fin de l'histoire, ils ont soif d'eau, certains, énormément. Mais c'est l'âme qui a soif. Aussi. Alors ils sont hantés par leur passé, préoccupés par leur présent. Et absolument dissocié d'une quelconque question d'avenir. La plupart, oui. D'ailleurs, je pense que peu dans l'histoire, à la fin, s'en sortent vraiment. Et qui s'en sortent, ce sont sans doute ceux qui partent. J'ai eu envie d'écrire aussi ce livre. Enfin, l'idée, je voulais l'écrire depuis très longtemps. Et puis l'an passé, j'étais dans un festival. Et on parlait beaucoup de la fuite. On me dit, pourquoi la fuite? Pourquoi les livres partent en Alaska? J'ai dit, il y en a assez qu'on parle toujours de fuite, là, la fuite. Mais je vais leur montrer que la fuite, parfois, c'est la survie, c'est l'intelligence. Et qu'il faut sortir de l'ornière. Et donc, en fait, ils sont tous dans l'ornière, mes personnages. Et ce sont ceux qui osent partir... faire basculer l'histoire qui vont peut-être s'en sortir. Quels sont ceux qui s'en sortent? Mounia et Césarion, peut-être. Mais les autres? Et vous, comment est-ce que vous avez cessé à chaque fois que vous avez pêché, été saisonnier? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'univers? Les saisons, j'ai aimé ça pendant des années et des années. Et est venu un moment où j'ai trouvé que... on devenait des assistés. Parce que le RMI commençait à exister. Et à ce moment-là, je trouvais que c'était plus pareil. Parce qu'on avait cette aide. Bon, bah, c'est vrai que c'était utile. Mais je disais à mes amis, je disais, écoutez, évidemment, quand on a travaillé, bah, on fait ce qu'on veut de notre argent. Si on veut aller boire des bières après, et puis... être heureux de vivre, et on peut le faire. Mais je veux dire, si c'est... utiliser notre... Enfin, je devais leur sembler très moral. J'y sais utiliser le RMI. Nous étions libres avant, et il n'y a pas de raison. Là, on est en train de se faire acheter, se faire récupérer. Et
Je trouvais aussi qu'on ne prenait pas assez position lorsqu'il y avait des... Certains gars se faisaient un peu... Certains gars se sont parfois fait tabasser dans des bars, les bars dans lesquels les saisonniers n'étaient pas admis. Et je me disais, ben, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on réagisse violemment, qu'on montre qu'on est là. Personne ne faisait jamais rien. Je me suis changé de pays. Je allais ramasser les fruits ailleurs, dans un autre... au Canada. Je commençais à être un peu fatiguée de cet univers. C'est peut-être pour ça, c'est la dernière image que j'en ai gardée. Et... d'où ce livre. Mais justement, j'ai connu donc les dernières années cette espèce de... c'était une faune l'été qui débarquait dans les villages, qui inquiétait énormément les villageois. C'était angoissant pour eux de voir ces gens qui débarquaient de jour en jour plus nombreux, qui cherchaient du travail, qui voulaient travailler. Et comme je dis, quand on trouvait des seringues dans le bac à sable des enfants, bah, il y avait de quoi. Enfin, c'était normal qu'ils soient un peu en colère. Et en même temps, c'est un peuple qui se. Je faisais partie de la famille, quoi. C'était ma famille. C'est-à-dire d'une année sur l'autre, vous retrouviez les mêmes. Certains. Ceux qui travaillent l'hiver, bon, nous sommes presque les installés. On se connaît depuis longtemps, on peut se rencontrer dans d'autres villages, mais enfin, on est. Et puis, il y avait toute une faune qui arrivait, qui eux étaient vraiment de passage. Qu'on ne reverrait plus et donc je oui. C'est des voyageurs. Des voyageurs, oui. Oui. Des saisonniers. Finalement des saisonniers. Oui. Et aujourd'hui, Catherine Poulain, après tous ces grands voyages qui donnent une certaine respiration à votre littérature, on a l'impression d'être. Tout à fait immergé dans des univers très forts, très lointains, même quand on est à côté, hein, juste à côté, là, dans la campagne, tout près. Quelles sont les images avec lesquelles vous vivez tous les jours, vous ? Quelles sont les images qui ne sont pas dans votre livre et qui, finalement, vous soutiennent ? Les images... Je sais pas, je suis très active. J'habite en pleine campagne, donc les images créer, activer, mettre des couleurs, servir de mon corps toujours. Peut-être que je n'ai pas très bien compris la question. Vous avez très très bien répondu, en tout cas, pour quelqu'un qui n'a pas compris la question. Oui, oui, si, tout à fait. C'est votre corps qui reste, quoi qu'il arrive, au centre de ce que vous vivez, de ce que vous écrivez. C'est le corps qui reste le point central de ce que vous pouvez écrire avec des mots ou vivre pleinement. Il est toujours question du corps. Oui, j'espère que je parlais toujours du corps en premier. Autrement, ça voudrait dire que je suis devenue vieille, je suis résignée, je suis plus vivante, je suis au bord de la mort peut-être. C'est comment vous écrivez, Catherine Poulain ? Vous écrivez tous les jours ? Vous écrivez tout d'un coup en immersion, comme vous le présentez quand nous, pour les lecteurs en fait. Comment est-ce que vous écrivez? Alors autrefois, j'écrivais tous les jours, j'avais besoin d'écrire pour donner un sens, rassembler la journée, donner un sens à ce qui était arrivé, puis j'aimais raconter, j'aimais les mots. Et depuis quelques années, j'ai arrêté. J'ai l'impression qu'il y a trop de choses, je peux plus tout. Donc maintenant, ces livres, je me dis maintenant, il faut que je me serve de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vécu pour en faire, pour travailler, faire des livres. Autrement, je n'aurai jamais le temps de tout. Et lorsque
lorsque je mets à écrire, je prends des notes, mais beaucoup de ressenti, des choses extrêmement fugaces. Il faut que je voie les images aussi. Tout d'un coup, je vois l'image, je me dis, ah, c'est le commencement de quelque chose, que je le sente aussi. Donc, et la couleur qui est le... Je me dis, ah, ça serait quelque chose, ça va faire quelque chose. Et petit à petit, après, il faut rassembler tout ça. Et c'est le plus difficile pour que ça n'ait pas l'air de pièces rapportées, de pièces collées ensemble. Il faut après que j'arrive vraiment à ce que cela devienne homogène et que ça prenne corps. Et c'est un gros, gros travail après de grosses, grosses concentrations. Il faut que j'y sois. Quand j'ai commencé ce travail, donc mettre ensemble, il faut que j'y sois. Il faut que j'y sois tout le temps. Il faut que je connaisse pratiquement tout par cœur à la fin pour savoir que ça, tu l'as déjà dit à tel moment, parce que c'est très compliqué. Mais j'aime justement parce que je joue avec les scènes, les images, les. Mais c'est pour ça que le livre me semble encore inachevé. Et celui-là, il me semble bien inachevé. Parce qu'il y a beaucoup de scènes que je revois, je me dis, là, tu vois, ça, tu aurais pu modeler autrement, mais par rapport à telle chose et telle chose et telle chose. Peut-être, certaines personnes travaillent peut-être de manière linéaire. Peut-être est-ce plus simple. On risque moins de se perdre et de se... Mais c'est sans doute ma manière de vivre. Je suis un peu éparpillée et j'aime cette espèce de chaos, être un peu dans le chaos et après rassembler tout ça. Mais alors c'est épuisant, c'est une vie très très fatigante parce que c'est toujours passer d'un extrême à l'autre. Mais c'est comme ça que je trouve c'est plus intéressant. Vous parlez beaucoup de couleurs quand vous écrivez. Les scènes ont des couleurs, les personnages ont des couleurs. Oui. Oui, il faut que je voie les. Oui, c'est très très important. La scène, une des scènes où Cesario est en train de. Cesario et Créole, et à un moment il court sous l'orage. J'ai imaginé cette scène, je pensais à la distillerie. La distillerie, je me souvenais lorsque j'étais sur ces grandes charrettes et que je débarrassais la lavande. Et j'ai eu la scène de la vallée qu'on voit au loin, l'orage qui arrive, et j'ai eu cette image. Je vois le petit lacet blanc de la route, je le voyais, et c'est une scène que je n'ai jamais vue de ma vie. Et je vois cet homme bancal, puisqu'il est bancal, qui court comme sur le petit lacet blanc, et là vraiment, et je voyais l'éclair au-dessus. C'était vraiment, et je me dis, ah, voilà, là, il y a quelque chose. C'est amusant comme ça peut vous arriver d'un coup, mais oui, c'était l'image. Et en même temps, c'était intéressant parce que ça bougeait, puisqu'il y avait les éclairs qui tonnaient, il y avait le. Enfin, oui, l'image. Quand vous prenez des notes avec des mots ou vous prenez des notes avec des dessins ? Avec des mots. Oui. Quoi qu'il arrive, vous êtes un écrivain. Oui. Même si dans votre esprit, dans votre processus d'écriture, il y a des images, elles restent uniquement dans votre cerveau. À un moment donné, vous dessinez ? Jamais ? Non, je dessine pas. Non. Ça m'emmêlerait encore trop. Autrement, j'en aurais partout. Je pourrais aussi sculpter, Mais alors, ça serait. Je serais dépassée. Parce que déjà, il y a trop de mots, parfois. Oui, les mots, il faut. Il y en a toujours trop. Donc, il y a un gros, gros travail après de nettoyage. Et je voudrais arriver à écrire. À écrire quelque chose où vraiment j'arrive vraiment à l'essence des mots, qui est vraiment le... Oui, que ce soit vraiment brut, que ce soit vraiment. C'est vous y arrivez très bien, hein. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, donc il va falloir que Comment ça se passe le moment où vous décidez d'arrêter, bien que vous ayez vraisemblablement toujours envie de continuer à retravailler votre texte. Mais heureusement qu'il y a l'ultimatum. Il y a un moment où il faut quand même le rendre. Donc c'est pas vous qui décidez d'arrêter, c'est une date qu'on vous a fixée. Mais vous ne pourriez pas. Mais je pense aussi qu'il faut l'arrêter. Il faut arrêter, autrement il faut passer à autre chose. Vous parliez tout à l'heure de la mémoire qu'il faut avoir sur ce que vous avez déjà décrit. Ça veut dire que vous relisez ce que vous écrivez en même temps que vous écrivez ?
Oui. Toujours. Oui, beaucoup. Mais les choses peuvent venir. Il y a différents moments pour l'écriture. Alors, certains moments, c'est vraiment le travail, c'est vraiment mettre en place le matin tôt quand on a la tête bien claire. Et il y a quand on commence à être fatigué, c'est plus le travail de rythme et de. Et le soir, c'est vraiment les images qui peuvent arriver, dont on va se servir le lendemain. Donc il y a vraiment un temps pour tout. Un temps pour lire, un temps pour prendre des notes et se dire ça, je m'en servirai plus tard pour développer. J'ai déjà la base d'eux. Donc il y a des instants pour. Ouais. Vous avez un rythme d'écriture, vous avez un rythme quotidien de travail. Lorsque je m'y mets vraiment, c'est tout le jour. Hein. Donc, oui. Quand vous n'écrivez pas, qu'est-ce que vous faites de tous ces mots et de toutes ces notes? En ce moment, j'ai beaucoup de travail parce que je retape une petite maison. Donc, heureusement. Et puis j'ai du bois à faire pour l'hiver. Et puis je ne pourrais pas être seulement en train d'écrire. J'ai travaillé toute ma vie physiquement, donc là, je deviendrais folle. Mais vous prenez des notes malgré tout là en retapant cette petite maison. Vous prenez des notes? En ce moment. En ce moment, je me dis, tu fais le vide. Alors, je laisse venir les idées, je me dis, tu. Ça va et ça vient. Je me dis, les choses travaillent. Elles travaillent, les choses vont se poser petit à petit. Mais il faut laisser aussi, il ne faut pas toujours vouloir retenir tout le temps. Il y a des moments, il faut se dire, maintenant, tu. Fais ce que tu as à faire. Et en fait, quand on travaille physiquement, le cerveau travaille aussi. Il travaille. Et parfois, il travaille mieux, justement, parce qu'il y a une petite idée qui commence à suivre son chemin. Et qui le suit. Parce que si on s'assied et qu'on commence à chercher l'idée, maintenant il faut que je trouve, là c'est terrible. Parce que vraiment on risque de la fabriquer et voilà, de faire à fausse. Oui, c'est ça. Et d'amasser, se dire mais non, là j'ai fait fausse route. Non, il faut attendre que les choses viennent se. Et puis après on les travaille. La petite chose arrive, là, c'est comme un fruit là, qui se prépare, il commence à mûrir, on se dit bon, ben, ça va être ça. Est-ce que du coup, votre écriture. Les histoires que vous racontez sont intemporelles puisque il est plus question de sensoriel que d'actualité. Oui, j'aimerais que ce soit intemporel parce qu'en fait, je veux juste parler de certains êtres humains qui. Je parle toujours d'une certaine errance aussi, d'une certaine oui. De cette difficulté à vivre, et je pense que là c'est l'histoire du désir aussi, et ça c'est ça a tourmenté nos ancêtres, ça a tourmenté toujours cette quête de. Cette quête de l'âme, qu'est-ce que je dois faire maintenant, vers quoi je dois aller brûler, où est le chemin, où est le. Dans cette intemporalité, en fait, comme vous le dites, on retrouve finalement les grandes questions de l'humanité. Il est question de dominant, de dominé. Il est question de place. Il est question de transmission. Il est question finalement de poids d'une culture, parfois. Mais donc, indirectement, vous abordez une sorte de philosophie que vous ramenez à quelque chose de naturel, sensoriel, évident. Oui. Mais je l'ai trouvé en. Ça s'est fait avec l'histoire? C'est pas vous qui avez pensé à ça. Ça s'est fait avec l'histoire. C'est vos personnages qui le font tout seuls. Il doit y avoir au fond des choses que je pensais profondément lorsque j'étais saisonnière, qui se sont si amalgamées à tout ça. Mais tout ce, au fur et à mesure que l'on écrit le livre, les choses viennent se, il prend corps et petit à petit, il y a des, la réalité, sa réalité se fait aussi au fur et à mesure. Et on ne sait pas forcément. Pourquoi et comment ça va se faire? Mes personnages,
Ben, parfois, je décidais pas. Un jour, j'ai dit à une jeune femme qui travaille aux éditions d'Olivier, donc c'était l'automne, elle me dit, tu vas bientôt reprendre? J'ai dit, oui, bientôt, il faut que je reprenne bientôt. Puis je lui ai dit, il faut que je les reprenne, parce que chaque fois que je laisse mes personnages, je les retrouve de plus en plus déchirés. Et puis si je les laisse trop longtemps, là, ils seront peut-être morts la prochaine fois, il faut que je les reprenne en main. Mais l'impression que, oui, ils faisaient un peu leur vie, là, maintenant qu'ils étaient arrivés, ils existaient, puis... Certains, j'avais l'impression qu'ils avaient débarqué comme ça, ils étaient arrivés dans l'histoire, et puis, oh là là, jusqu'où ça va aller? Ils vous échappent? Parfois, vous avez cette sensation? Ben, parfois, les dialogues arrivaient, je me dis, il se passera ça, 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 ça. Le soir, justement, quand j'étais dans la cheminée, là, à essayer de me chauffer, et tout d'un coup, je me dis, ah ben là, l'histoire était plus dynamique, parce que justement, la journée, tôt le matin, c'était à moi de l'écrire. Et d'en faire quelque chose. Et le soir, eh ben, c'était eux qui commençaient un petit peu à faire leur... À faire un peu leur route. Est-ce que vous les aimez, vos personnages? Oui, beaucoup, oui. Est-ce que je les aime tous? Je sais pas. Je pense pas. Est-ce que, en écrivant, vous aimeriez les sauver ou leur accorder une pause? Oh, oui. Et j'étais très, très, très... En écrivant ce livre, je me suis dit à un moment, je suis vraiment dégueulasse. Et quelques jours auparavant, il y avait la jeune femme qui va faire un film du Grand Marin, est venue me voir, Dinara, elle est venue me voir avec son compagnon, qui est acteur aussi. Et il m'a dit à ce moment-là, en ce moment, je joue dans un feuilleton, je suis en train de jouer le rôle d'un sale mec. Veule, lâche. Et dit, quand je me regarde le soir dans la glace, je dis, je suis vraiment veule et lâche, comment puis-je être comme ça? Et à un moment, en écrivant mon livre, je me suis dit, je suis vraiment une sale personne. Parce qu'à un moment, mes personnages, je pourrais les sauver. À un moment, il y a un tournant. Et je me dis, non, je ne peux pas faire ça, parce que ce n'est pas l'histoire. C'est pas là. Lorsque la machine est en marche, quelque chose est en marche, mais il faut aller au bout des choses. On ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas faire du... Vous êtes ancrée dans la réalité, Catherine Poulain. Quoi qu'il arrive. Oui, oui, quand même, oui. Et on ne peut pas changer le... De toute façon, cette histoire, depuis le début, là, c'est dans l'œuvre, cette espèce de violence qui commence, qui cette menace. Et cette menace, mais il faut bien que ça arrive, puisqu'elle est là, elle est dans l'œuvre. Le danger, la violence, et ce sont des choses qui arrivent. Je disais, il y a quelque temps, je disais parfois l'été... Je sais, parfois l'été, il y a de ces faits divers terribles, souvent, tous les étés. Et je me suis souvent posé la question, je me suis dit, oui, mais il y a un commencement à cette histoire. Parfois, c'est la conséquence de quelque chose, parfois c'est un accident, mais c'est aussi la montée de la chaleur, la montée du désir, la montée de... Et je me dis, c'est pareil, il y a certains faits divers sont terribles. Mais c'était écrire ce livre, c'était aussi aller un peu au bout de tout ça, toutes ces questions, toutes ces choses qui vous tourmentent. On se dit, eh bien, on va les faire arriver, et comme ça, peut-être j'aurai moins peur. Merci encore, Catherine Poulain. Merci.